Vous remarquez que l'ambiance est différente. Eh oui, c'est le matin. Là, on se fait agresser, enfin, on se fait agresser, gentiment agresser, par la lumière naturelle du matin en ce mardi 2 novembre 2021 au Billard Club de Nice. Donc, bonjour à tous. Je viens vers vous pour une annonce un petit peu particulière, singulière, pour vous dire que vendredi prochain, je vais avoir la chance, l'honneur et le privilège de recevoir un espèce de champion du monde de l'univers au billard français, quintuple champion d'Europe. Plus de 50 ou 60 fois champion de sa nation. Bref, écoutez, ce n'est pas un Français, mais c'est un espèce de champion de l'univers, et on va passer un agréable moment ensemble, en tout cas je l'espère, vendredi prochain. Et je viens vers vous pour vous dire que voilà, si vous avez des questions à poser, on va profiter justement tous ensemble de sa présence. J'ai demandé si je pouvais faire profiter la communauté, il a évidemment été d'accord. C'est une personne qui est extrêmement présente sur les réseaux sociaux, etc. Bref, vous le connaissez certainement, mais j'ai envie de vous garder comment dire, ce côté un peu croustillant de la chose. Qu'est-ce qui se passe? Que va-t-il se passer bientôt sur les chaînes des billets en paquet? Vous verrez bien. On verra bien. Bonsoir à tous et je vous présente notre champion du monde, notre champion de l'univers. De l'univers. Xavier Grétilla. Monsieur le Marseillais. Ah ouais. C'est vrai que j'ai peut-être un petit peu exagéré, mais j'étais tellement enthousiaste de cette rencontre que c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu exagéré dans le message. En tout cas, merci d'avoir été malgré tout présent pour vos questions. Et puis on va justement prendre une petite heure ensemble pour répondre à vos questions, essayer de rentrer le plus possible en détail et voir si tu peux nous expliquer aussi également, enfin amener des réponses par le biais du billard. Donc, avec plaisir. Moi, j'ai une première question. Ah oui. C'est comment s'est passée notre rencontre au final? Parce que peut-être que ça intéresserait. En tout cas, moi, je suis assez surpris de te retrouver aujourd'hui, ce soir, avec moi, alors que c'était vraiment pas du tout prévu, quoi. Toi, pas, non, mais moi, oui. Ah, toi, tu l'avais prévu, toi. Alors, pas maintenant, mais j'avais prévu ça, effectivement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une super aventure qu'on a débutée au 1er janvier de cette année. Ça s'appelle Billard on the Road. Comme son nom l'indique, ben, c'est sur les routes. Et donc je pars, je roule à la rencontre de ceux qui ont envie de travailler avec moi, qui ont envie de collaborer avec moi pour apprendre ou simplement pour nous rencontrer. Et donc en fait, dans cette aventure, j'ai décidé que j'allais rencontrer ceux qui ont la même passion du partage pour le billard que je ne l'ai, que moi j'ai eu en 2008 quand j'ai commencé à produire des vidéos sur YouTube, ensuite sur Facebook. C'était un esprit de partage et c'est ce que fait les billes en paquet. Les billes en paquet créent de la formation. Alors c'est fait par un débutant, bien qu'il ne soit plus tellement débutant, hein, faut pas exagérer non plus. Mais c'est son slogan, donc il s'est fait par un débutant pour des débutants, donc c'est pas toujours juste, c'est pas toujours exact, mais peu importe, c'est une formation qui existe et qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Et je suis persuadé qu'elle rend service, et qu'elle est utile à plein de gens. Et donc même si c'est soi-disant fait par un débutant pour les débutants, ces formations-là, je les trouve super. J'aime l'idée de partager. C'est ce que j'ai fait depuis toujours. Alors aujourd'hui, je partage toujours mes formations par mon site internet. Exact. Malheureusement, je sais, les gens vont me dire oui, mais c'est pas gratuit. Ça coûte quand même 30 euros par année pour accéder à 234 formations, 178 heures, un livre de 711 pages et un coaching illimité par mail. Je suis d'accord, c'est un sacré budget. Donc, c'est pas gratuit, c'est vrai. Mais je continue toujours à faire du contenu gratuit, notamment avec lui, sur YouTube, sur Facebook. Le contenu gratuit ne m'a jamais quitté. J'aime partager ma passion. Et donc, j'ai décidé, dans cette aventure on the road, d'aller à la rencontre des gens qui ont cette même passion et qui partagent leur passion. Et au 1er janvier, quand j'ai décidé de lancer cette aventure on the road, je savais que j'irais trouver les billes en paquet. Ce que je savais pas, c'est que j'irais trouver maintenant, voilà. Il y a une semaine en arrière, le vent nous a poussé en direction du sud. On s'est dit, tiens, je vais faire un crochet du côté de Nice. J'ai appelé les billes en paquet. Il a dit d'accord, viens. Ça s'est décidé en quelques jours. Ouais. Et voilà, je suis là. C'est incroyable. Xavier, je suis tellement content de notre rencontre. Donc maintenant, on va passer aux questions.
Hein ? Pas de problème. Et puis, voilà, on verra bien, on verra bien où ça va nous mener, tout ça. Merci. Allez, à tout de suite. Bon, mais écoute, on va attaquer avec les questions de nos internautes. D'accord. Hein, des billons de paquets qui se posent apparemment certaines questions. Donc, on va commencer par Richard Wagner qui nous pose la question : quels sont les trois éléments essentiels pour devenir un très bon joueur de billard, Xavier ? Qu'est-ce que tu peux répondre ? Un très bon joueur de billard ? Bah, faut demander ça à un très bon joueur de billard d'abord. Tu ne te prétends pas un champion de l'univers, précisé ? Je ne suis pas champion de billard, ni même champion du monde. C'est très gentil, mais non. Donc voilà, Richard, je ne sais pas ce qu'il faut. Ce que je peux te dire pour être un bon joueur de billard, c'est qu'il faut, je pense, avoir une certaine dose de patience, on va dire, pour pouvoir affronter tous les problèmes qui vont jalonner ta carrière de joueur de billard. Un minimum de volonté aussi pour pouvoir gérer tout ce que ça s'impose, tout ce qui s'impose pour pouvoir produire beaucoup d'heures de billard et mêler la vie du joueur de billard avec une vie privée, une vie professionnelle. Tout ça, ça demande de grandes décisions et donc beaucoup de volonté aussi pour les assumer. Et puis, je pense qu'il faut aussi un certain goût pour la folie, parce que si tu fréquentes les salles de temps en temps, tu te rends compte quand même que le profil est assez fou. Il faut être un petit peu timbré pour être seul pendant des heures et jouer comme un fou avec ses trois billes sans cesse. Et je pense qu'on a tous un profil un peu psychotique, je pense. Ouais, c'est certainement pas faux. Mais j'espère que ça a répondu à Richard. Je sais pas. Pour cette Richard, première si question. Jamais écris-nous. Ouais, voilà, évidemment, n'hésitez pas à réagir. Vous le savez. Deuxième question de Shuncha Chris qui dit: pourquoi ne fait-on pas la même partie, le même nombre de points d'un match à un autre, même s'il s'agit du même jour, de juste la partie d'après avec le même adversaire? L'éternelle question, ouais, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Alors, ça, c'est quand même un phénomène que j'ai beaucoup expérimenté, effectivement. Et je ne sais pas si tu vas aimer la réponse, mais il faut considérer en fait que je vais parler pour moi quand ça m'arrive. Eh bien, je suis particulièrement faible, on va dire ça, dans ma tête. Et ça signifie tout simplement que je n'ai pas réussi à reproduire ma force psychologique pour qu'elle soit efficace également au match suivant. Et c'est que la tête qui fait qu'on bascule d'un moment à un autre, c'est pas le niveau, parce que je suis pas moins bon techniquement que la partie d'avant, je suis pas moins compétent stratégiquement ou conceptuellement que la partie d'avant, c'est juste la partie psychologique qui défaille par rapport à la partie d'avant où j'ai su mettre en place des choses que je n'ai pas réussi à mettre en place la deuxième fois. Voilà. Ouais. C'est juste ma tête qui défaille, c'est tout. Mais c'est vrai que sortir d'une belle partie, des fois, ça a tendance à galvaniser un petit peu le joueur en se disant « là, j'ai passé un cap ». Quand tu démarres une partie, tu te dois de recommencer tout à zéro. Tu fais un reset complet, ouais, comme si c'était une première partie, et donc tu ne te préoccupes absolument pas de savoir le succès que tu as eu à la partie précédente. Ce que tu peux faire, par contre, c'est utiliser les échecs et les succès de la partie précédente pour reformuler un nouveau travail psychologique et peut-être affiner certains points pour redémarrer une nouvelle partie. Mais en aucun cas, tu pars dans la continuité de la partie précédente. Tu fais un reset total. Pas facile. Ah, c'est un travail. Ouais. Le domaine psychologique, c'est un travail qui constitue un petit peu ma force. Hein. J'ai l'habitude de le dire que je ne suis pas meilleur techniquement que d'autres, ni conceptuellement que d'autres. Mais à certains moments, au moment où il le fallait, j'étais plus fort dans ma tête que mon adversaire, ce qui fait que j'ai pu remporter des matchs et des victoires à cause de ça. Donc moi, ça a été un long travail, ça fait 35 ans que ça dure maintenant et je travaille constamment ma psychologie et en plus ça se renouvelle de compétition en compétition. On ne peut pas utiliser ce qu'on a fait la dernière compétition pour gérer celle-ci. Prochaine. Ça peut se renouveler aussi d'adversaire en adversaire parce qu'il y en a, il y a des adversaires qui ont cet honneur-là que je sois obligé de préparer une préparation psychologique particulière rien que pour eux. Voilà. Donc, ah oui.
ça se renouvelle chaque fois de match en match et de compétition en compétition. Ouais, intéressant. Ouais, une espèce d'adaptation quoi, en fonction de... Oui. Ok, mais adaptation psychologique. Ah, complètement. Ouais. Complètement. On va passer à la question 3, si tu veux bien. Ouais. J'espère que ça a répondu à notre cher jeune Chakris. On passe à la question de Corinne, Corinne Joachim, qui... on parle, je pense, à peu près de la même chose. Pourquoi parfois on ne touche pas une bille? Voilà. Pourquoi cette différence de niveau? Ça rejoint à peu près, je pense, la réponse de la question. Non, je pense pas. Non, tu penses pas? Non, je pense pas. Pourquoi parfois on ne touche pas une bille? Je retranscris ce qui a été... Oui, oui, voilà. Alors, je ne sais pas si on va répondre à sa question, si c'est exactement ce qu'elle pense, mais en général, quand on ne touche pas une bille, enfin, une des raisons principales, surtout quand on est débutant, c'est que déjà, l'attaque est assez éloignée. Si l'attaque est de proche, si on est proche de la bille 2, il y a peu de probabilité pour qu'on ne touche pas la bille. Donc, ici, par exemple, si on touche relativement fin, allez, une bille rouge comme celle-ci, je vais peut-être faire tourner le dos à la caméra, voilà, une bille rouge comme celle-ci, eh bien, le problème qu'on va voir, on va toucher fin à droite de la rouge avec de l'effet à droite, et le problème qu'on va avoir, c'est dès l'instant où on incline la canne. Parce que avec l'effet, si on incline un tout petit peu la canne, eh bien, ma bille produit une courbe, et donc à ce moment-là, je n'ai plus la possibilité de toucher ce que je vise. Et sur une distance comme celle-ci, c'est certain que la finesse, je la toucherai plus. Je ne sais pas si on a le temps de tester la chose. Admettons que je tente une finesse. Ou une finesse, je dis une finesse, mais c'est une finesse un peu grossière. C'est une finesse pas très très fine non plus. Tiens, la jaune était là, je crois. Oh, bravo! Alors que si on fait le même point, aussi en finesse et aussi à cette distance, mais au lieu d'avoir une canne qui est plate, on incline la canne, et il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec une canne inclinée, eh bien on n'a absolument aucune chance de toucher la bille, parce qu'en fait, avant d'arriver à la bille 2, ma bille aura provoqué une courbe, le mélange de l'inclinaison et de l'effet. Et ça, quand on est débutant, c'est la première des raisons pour laquelle on ne touche pas la bille, pour laquelle on rate la bille. Après, si on est plus avancé et qu'on a la queue plate, c'est tout simplement parce qu'on vise mal. Point. Donc, il faut s'entraîner à viser les quantités de billes, le plein, le trois quarts, le deux tiers, la demi-bille, le tiers, le quart et la finesse. Et puis pour ça, bah, évidemment, il existe des exercices. Je doute qu'on va rentrer dans ce domaine-là parce que ça va prendre un petit peu de temps quand même. Bien sûr. Mais il existe des exercices pour pouvoir travailler la quantité de billes. Mais à la rigueur, je peux vite le faire. Mais sur ta plateforme e-learning, je suppose qu'on peut retrouver ce type d'exercice? Oui, tout à fait, oui, ouais. Bien sûr. Donc, oui. Mais c'est très très rapide, c'est pas compliqué. On se place sur une ligne comme celle-ci. Et puis, en fait, on dit par exemple, voilà, je veux toucher demi-bille. Alors, on évalue où sera notre bille au moment de la touche de demi-bille, c'est-à-dire à peu près ici. Et donc, comme la bille rouge ne peut se diriger qu'à l'inverse de là où elle sera touchée, on place un obstacle dans la direction de la bille rouge. Ok ? Donc là, je vais placer ma craie. Je vais quand même juste vérifier qu'on est bien en demi-bille. Non, on n'est pas tout à fait en demi-bille. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc maintenant, si je joue demi-bille, ça signifie que je vais envoyer la rouge sur ma craie. Si la rouge ne touche pas la craie, c'est qu'en fait, je n'ai pas touché demi-bille. Tu n'as pas été demi-bille. Ouais. Encore faut-il bien placer cette craie. Oui, alors la craie, c'est facile, parce qu'elle ne peut se placer que dans l'axe opposé de l'endroit où est touchée la bille rouge. Si je touche la bille rouge en demi-bille comme ça, la bille rouge va partir dans cette direction-là. Et donc, il suffit de mettre la craie dans le même axe. Dans le même axe. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, si je joue demi-bille, eh bien, normalement, je vais envoyer la bille rouge sur la craie, ou presque. On a peut-être fait ça un petit peu vite. Oui, oui, oui. Mais voilà, c'est une des manières les plus simples de travailler une quantité de billes. Pas très, très grande démonstration, on peut en faire une autre, mais bon, oui, d'accord, on en fait une autre. Donc, admettons par exemple qu'on touche cette fois-ci un quart de bille, donc on place la bille jaune dans l'axe du quart de bille. Oui. Voilà. Donc, en touchant la bille rouge à cet endroit-là, la rouge ne pourra se déplacer que dans l'axe opposé de là où elle est touchée, donc c'est-à-dire ici, on place la craie ici, et puis ensuite, bon, on enlève cette bille, on touche un quart de bille, la bille rouge, et du coup,
normalement, la rouge devrait aller toucher la caille. Voilà. Et donc là, on sait qu'on a touché. On sait qu'on a touché demi-bille. Un quart de bille. Là, c'était un quart de bille, pardon. D'accord. Et on fait ça pour toutes les quantités de billes. Et on fait ça également à des distances qui ne sont pas aussi agréables que celles-ci, mais qui sont un petit peu plus éloignées pour nous faire travailler cette touche de billes à longue distance. Ça, c'est une astuce ou un truc qu'on peut utiliser pour travailler notre quantité de billes. Mais la plupart du temps, quand on débute, souvent les joueurs jouent donc avec une canne qui n'est pas plate horizontale, mais qui est un petit peu inclinée. Et du coup, comme ils mettent de l'effet, ça produit inévitablement une courbe qu'on ne peut pas éviter. Et donc, du coup, ça crée le fait qu'on rate la bille. D'accord. La plupart du temps, ça reste quand même ça. Je ne sais pas, j'espère que j'aurais répondu. Elle avait une deuxième partie de question. Pourquoi cette différence de niveau ? Je ne te cache pas, Corinne, que je ne comprends pas cette question. Je ne vois pas de quelle différence de niveau tu parles. Donc, je doute qu'on puisse en répondre à ça. Je ne sais pas comment tu perçois. Alors, moi, je perçois la... J'ai bien apprécié cette démonstration, mais je ne pense pas qu'elle parle de ça. Ah ! Ok, tu penses qu'elle parle de quoi ? Je pense qu'elle veut dire, en fait, quand on dit pourquoi parfois on ne touche pas une bille, ça veut dire qu'à mon avis, elle ne touche pas une bille, ça veut dire qu'elle ne fait pas un point, quoi. Elle n'arrive pas à jouer, en fait. C'est pour ça que je te dis que ça rejoint la question 2. Ah, à mon avis, c'est ça. Une expression pour dire qu'on ne fait pas un point. C'est ça. Ah, tu crois que c'est ça? À mon avis, c'est ça. Et du coup, ça fonctionne mieux avec la suite. Pourquoi une telle différence de niveau? Genre, habituellement, je tourne à 2-3 de moyenne et puis d'un coup, je suis à 0,5. Eh bien, Corinne, donc, j'ai pas touché. Réfère-toi à la question précédente. Voilà. Et si par hasard, ta question, c'était bien, pourquoi tu touches pas la bille 2, tu as quand même la réponse. Voilà, tu as quand même la réponse. Hein. Mais, Je suis navré, j'ai peut-être mal compris la question. Non, pas de souci. Après, c'est peut-être moi qui me trompe. Hein. Du coup, il y a les deux. La deuxième question prêche quand même pour ta version. Du coup, il y a les deux. Il y a les deux versions. C'est très bien. Voilà, c'est pas grave. C'est très bien. Donc, question 4 de Milk ou Mikl plutôt. Quel coup doit-on faire à l'échauffement avant un match, nous demande-t-il. Ça, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, sur ma plateforme de Beer e-learning, j'ai une vidéo qui n'est consacrée qu'à l'échauffement. Ah, ça, c'est excellent. Parce que je sais que c'est un gros problème pour alors, beaucoup de personnes. L'échauffement est capital, première des choses, parce que si ça se trouve, alors ça dépend à quel niveau on joue, mais en tout cas, moi, c'est comme ça. Si ça se trouve, c'est la seule chose que je suis sûr de jouer avec le point d'entrée. C'est tout. Oui, donc, il ne faut pas le gâcher. J'ai 5 minutes pour faire tester mon matériel, prendre confiance, et donc, il faut préparer ça. L'échauffement, ça ne s'improvise pas. On ne peut pas arriver à la table et dire, bon, qu'est-ce que je vais faire dans mon échauffement ? Là, on perd du temps, on a 5 minutes, c'est chronométré. L'idée, c'est de tester ton matériel. Donc, tu vas tester la réaction des bandes, le roulement du tapis et la réaction des billes. Ça, c'est très important. Ensuite, un échauffement, comme son nom l'indique, c'est pour s'échauffer. Donc, c'est prendre confiance. Donc, tu dois te chauffer. Si dans ton échauffement, tu essayes 20 points et que tu en rates 19, c'est pas bon. C'est pas bon pour la tête, ça. C'est pas bon pour la tête. Donc, ça signifie que tu dois mettre des points qui sont relativement simples. Okay. Ou en tout cas que tu rates pas trop, et que si tu rates, tu rates pas trop loin. Parce que si tu fais 19 ratés sur 20, ça va pas te mettre en confiance. Donc il faut tester le matériel, mettre des points qui sont relativement simples, et il faut en faire le plus possible. Ça sous-entend qu'il faut avoir un échauffement qui est dynamique. Je donne un exemple. Si je fais ce test-là, à savoir ça, comment réagit avec de l'effet contraire la bille rouge une fois qu'elle aura touché la grande bande et la petite bande. Est-ce qu'elle revient dans le coin? Est-ce qu'elle revient plus là ou est-ce qu'elle revient plus là, par exemple? Eh bien, je fais le test. Mais une fois que les billes sont là, je passe tout de suite au point suivant. Je n'ai pas besoin d'attendre que la rouge s'arrête pour placer le point d'après. Et ça, c'est un échauffement dynamique qui va permettre de créer plus de points dans l'espace-temps qui nous est accordé. Moi, par exemple, je joue souvent qu'avec deux billes. J'ai une catégorie de test, comme celui-ci, où je joue qu'avec deux billes. Alors là, le premier, je vais le faire avec trois billes, mais dès que la bille arrive ici, je teste donc la réaction de ma bille sur la grande bande, j'enchaîne tout de suite avec le suivant, et j'enchaîne tout de suite avec le suivant, parce qu'en fait, je ne teste que la réaction de ma bille sur la grande bande, petite bande, grande bande.
et j'ai pas du tout besoin d'attendre que les billes s'arrêtent. Je récupère les billes, je place tout de suite le test suivant. Ça, c'est dynamique et du coup, je fais plus de points, plus de tests. Et chaque test que je fais, j'ai plus d'informations pour pouvoir jouer la suite. Quand je vais me retrouver, si par exemple mon adversaire me laisse comme première position ce type de point, eh ben, j'ai déjà testé la réaction de la bande, donc ça va m'aider à réussir le point et à poursuivre le jeu. Si je n'ai pas fait ce test, ben, je suis embêté. Je ne sais pas comment ça va réagir. Mmh. C'est-à-dire que oui. Donc tu te mets en danger pendant la partie parce que... Ah ben oui, si tu ne fais pas le test, c'est récurrent, ça va être plus compliqué. Ouais. Tu vas t'orienter sur une autre option. Mais est-ce qu'en 5 minutes, tu as vraiment le temps de tester toute la table? Oui. Oui, vraiment. Oh, d'accord. Ah, oui. Donc ça, ce que tu fais ici pour la grande bande... Par exemple, tu peux tester la souplesse du rétro avec des très grands rétros. Alors là, tes billes, je suis navré de le dire, monsieur Billet Paquet. Oui, elles sont dégueulasses. Elles sont un tout petit peu dures et un tout petit peu sales. Mais malgré tout, c'est quand même un test qu'il faut faire. Est-ce que c'est possible de faire ce rétro-là sans incliner la canne? Par exemple, ça c'est un test que je fais tout le temps. Les masser, les piquer, les points par la bande, les directs, la souplesse, les réactions, les effets contraires, tout ça, je teste tout ce que je peux. Voilà. Le système aussi du 3 bandes. Et j'ai un programme très spécifique. J'ai presque envie de dire, si vous voulez le connaître, je vous invite à... Bah oui, évidemment, évidemment qu'il faut aller sur e-learning sinon, pour découvrir tout ça. Quoi. Sinon, bah voilà, c'est le principe de l'échauffement. Il ne faut surtout pas passer à côté et improviser, il faut vraiment le fixer. C'est très, très important. Voilà, Mick, j'espère que ça a répondu à ta question. Je pense que oui, hein, clairement, là, on a beaucoup d'indices. En plus, si tu proposes une vidéo sur ta plateforme e-learning, c'est là, parfait. J'ai déjà presque tout dit, mais c'est juste pour un contenu. Ouais. Non, mais après, c'est important. Et le contenu s'adapte aussi en fonction de la discipline qu'on joue. On ne teste pas tout à fait la même chose si on joue à la bande que si on joue au cadre. On ne joue pas tout à fait les mêmes points, mais le principe reste exactement le même. Moi, j'ai quasiment un échauffement à 90% similaire à chaque fois. Ah, okay. Oubliez pas le point d'entrée aussi, très important. Beaucoup commencent l'échauffement par le point d'entrée. Moi, je déteste ça. Pour moi, le point d'entrée, c'est un 3 bandes. Ouais. C'est dur. Ouais. Donc, je ne vois pas pourquoi je commencerais par un point dur. Tout simplement. Je suis d'accord avec toi. Donc, je commence par des trucs faciles. Et je fais le point d'entrée à la fin. Oui, tout à fait. Je suis plutôt, effectivement, moi aussi, de cette... J'aime pas cet acabit. Ouais, le point d'entrée, ouais, c'est pas fou au tout début. Surtout au tout premier échauffement de la journée, quoi. Lors d'une compétition, évidemment. Hein. Je suppose que la question portait au sujet de la compétition. Très bien. Question suivante de Didier Sapé, qui nous dit « Que penses-tu de l'utilité d'un manchon sur le fût ? Est-ce pour toi un gadget ou une nécessité ?» Comment qu'il s'appelle ? Il s'appelle Monsieur Didier. Bon, Didier. Sapé. Moi, je joue avec une très belle canne qui a un magnifique bois. Ouais. Et jusqu'à ce qu'on me propose cette canne qui a un magnifique bois dont je tairai la marque parce qu'il n'y a pas de raison que je la donne. Mais j'ai toujours joué avec un manchon. Donc, j'ai passé, je pense, la moitié de ma vie à jouer avec un manchon. Mm-hmm. Et un jour, il y a un gars qui est venu vers moi. Il m'a dit, écoute, j'aimerais que tu joues avec mes cannes. Je lui ai dit, t'es gentil, mais je suis content avec la canne avec laquelle je joue, donc je te dis non. Il dit, mais si, je joue comme avec ma canne. Je lui ai dit, bon, d'accord, mais alors, je lui ai donné la canne que j'avais à l'époque. Je lui ai dit, tu me fabriques une canne de ta marque, mais calibrée comme la mienne. Ok. Il me l'a fabriquée. Et il a accepté. Et il me l'a donnée. Et du coup, pour le moment, je joue toujours avec sa marque. Et du coup, il m'a dit, mais vous, les joueurs de billard, vous êtes quand même difficiles parce qu'on vous fabrique des cannes qui sont magnifiques, avec un bois qui est magnifique. Et vous mettez un manchon dégueulasse dessus. Alors moi, fabricant de billard, ça m'exaspère un petit peu. J'ai dit, écoute, je retiens l'argument, je vais essayer de jouer sans manchon. Et en fait, ça fonctionne très bien. Donc depuis, je joue sans manchon, tout simplement. Donc, ouais, c'est peut-être un gadget. C'est peut-être un gadget, alors. Et pour moi, en tout cas, ça l'est. J'ai pas d'utilité à jouer avec un manchon. Maintenant, je peux convenir que pour d'autres, ça convienne pas. Mais j'ai toute ma vie joué avec un manchon. Jusqu'à ce que ce gars me dise, essaye sans manchon pour la beauté ouais, de la pour canne. La beauté du fût, quoi, bien sûr. Et depuis, je joue sans manchon et tout fonctionne et j'arrive très très bien à jouer. Il faut reconnaître qu'il l'a pas raté, elle est vraiment magnifique. Hein. Non, mais c'était pas celle-là, c'était une autre. Ah, c'était pas celle-là. Celle-ci, en fait, c'est une autre, c'est la même marque. C'est une de ses productions aussi. C'est une autre dont je suis tombé fou amoureux et j'ai eu la chance d'en recevoir une aussi. Très bien. Bon, mais voilà, je suis assez surpris de la réponse, je t'avoue.
Mais il y en a beaucoup qui sont qui se passent pas de, de manchon. Pour eux, c'est... il y en a même qui jouent avec le manchon comme une référence sur le fût pour pouvoir placer leur main. Ouais. Non. Non. Voilà. Non, mais écoute, voilà, Didier, tu as la réponse de Xavier. Voilà. Non, mais il n'y a pas à être désolé, tu donnes ton avis. Après tout, c'est... sans savoir qui était ce ouais. fameux champion, il pose là quand même la question. De l'univers. De l'univers, on avait ouais, dit. Hein. Voilà, c'était important. Question 6 de Jean-Pierre Bedos. Donc on, là, il nous pose des questions sur l'effet de glissement. Peut-on quantifier la diminution de l'angle de réflexion quand l'angle d'incidence de sa bille est très petit par rapport à la première bande? Alors, est-ce que tu comprends la question? Alors, je t'avoue que ça manque de clarté en ce qui me concerne, c'est vrai, mais peut-on essayer de réfléchir ensemble sur... peut-on sur... quantifier la diminution de l'angle de réflexion quand l'angle d'incidence de sa bille est très près et très petit par rapport à la première bande? Très petit, c'est-à-dire très fermé peut-être. L'angle... Ben ça, on ne sait pas. Est-ce que c'est très ouvert ou très fermé? Ah ben, c'est très petit, donc moi très je... Très petit, donc ce serait perpendiculaire à la bande? Eh oui. Perpendiculaire à la bande, oui. Ok, peut-on quantifier parce que, la diminution parce que si c'est très ouvert, de l'angle ça de réflexion quand l'angle d'incidence... Si c'est très ouvert, ça serait une extrême finesse. Écoute... Donc, compliqué de répondre bon, à cette question. Jean-Pierre, il faut déjà que je te dise un truc. L'effet de glissement, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on commence déjà mal la question. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une terminologie que je n'ai jamais utilisée. Je n'ai peut-être entendu parler... une fois ou l'autre, mais ça m'a échappé. En tout cas, je l'ai oublié, donc je ne sais pas ce que c'est. C'est une notion que je n'utilise pas. Voilà. Ce que je peux dire d'intéressant par rapport à ça, c'est qu'il parle d'angle d'incidence et d'angle de réflexion. Oui. Et tu conviendras comme moi que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Absolument. En tout cas, ça, c'est la théorie. Oui, à condition de jouer sans effet. Oui. Mais même si on joue sans effet... L'angle d'incidence n'est pas toujours égal à l'angle de réflexion. Certes. Et ça, peut-être que notre ami Jean-Pierre sera intéressant, oui. intéressé à s'en rendre compte. Donc Jean-Pierre, si tu pars du coin que tu vas toucher la grande bande opposée au milieu, qui est ici, théoriquement, géométriquement, il n'y a pas photo, on devrait aller sur la rouge. On est d'accord, l'angle d'incidence, angle de réflexion. Bon, est-ce que tu penses qu'on va aller sur la rouge? Je pense que non. On va aller où, à ton avis? On va aller sur la petite bande. Mais où? Où exactement? Ouais. Bah après, tu connais ton billard, après ça dépend, on est chez les billes en papier, ça dépend, ici, ça dépend du rendement du billard. Bah oui, bah c'est ton billard. Ah oui, ici, tu veux que je te dise précisément parce que c'est mon billard. Ouais, à peu près. Tu veux que j'utilise ta craie? Non, déplace la rouge. Déplace tu veux que je déplace la rouge? Ouais, déplace la rouge. Allez, je pense que tu vas arriver ici. Ouais, alors moi je pense que je vais même arriver plus bas. Alors je me décale un tout petit peu quand même du coin pour pouvoir jouer. Je joue donc à quelques millimètres près le milieu de la table. Je joue sans effet. Ouais, ouais, plus bas, tu avais raison. On arrive plus bas. Ah, ouais. Alors, où est-ce qu'on doit arriver, où est-ce qu'on doit toucher pour pouvoir aller jusqu'au coin? Alors, d'autres me diront, oui, mais Xavier, en fait, tu joues ici, alors qu'en fait, tu devrais viser le milieu. Mais si on vise le milieu, dans ce cas-là, la bille jaune, on doit la déplacer là. Et là, l'angle d'incidence n'est plus égal à l'angle de réflexion. On est d'accord. Voilà. Donc, non. Mais figurez-vous que c'est même pas là. Ça va être plus haut qu'ici. Je vais devoir probablement... Si je prends mon petit crayon, je pense toucher à peu près ici pour pouvoir aller au coin. Et ça fait quand même une sacrée différence. Tout à fait. Et c'est peut-être ça dont parle... Je ne sais pas. Jean-Pierre, quand il parle de glissement. Donc là, je vais essayer d'aller toucher mon bout de crayon. Et j'arrive pas mal haut. Excellent. Et donc, on voit que la règle que tout le monde connaît comme étant l'angle d'incidence égale à l'angle de réflexion, eh ben, elle n'est pas tout à fait juste. Et en fait, c'est une règle qui est excellente à fournir comme aide, parce que ça va vraiment nous aider pour jouer des bandes avant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand l'angle est à peu près demi-ouvert, donc à peu près vers 45 degrés, eh bien, c'est là que la différence est énorme. Si on est perpendiculaire, évidemment qu'on va revenir sous le même angle. Si on est assez parallèle à la bande,
la déviation sera très faible. Mais quand on est à 45 degrés, la différence entre l'angle d'incidence et l'angle de réflexion est quand même conséquente. On voit qu'on ne peut pas compter sur cette aide-là pour faire le point. Ça signifie que si on a un banc d'avant et qu'on a un angle à peu près comme ça, il va falloir faire très attention avec cette règle et en tenir compte que ce n'est pas toujours le cas et peut-être jouer un petit peu plus haut que ce qui est prévu. En fonction de l'ouverture ou la fermeture de l'angle. Intéressant ça, hein ? Très intéressant. Pour les bancs d'avant, ça va aider, j'espère, beaucoup de monde. À part ça, si quelqu'un arrive à m'expliquer, parce que moi je ne fais que constater, c'est un constat, tu vois. Ouais. C'est un constat pour dire, bah non, l'angle d'incidence, c'est pas toujours égal à l'angle de réflexion. Par contre, je ne l'explique pas. Donc s'il y a dans ton public une tête pensante scientifique qui arrive à m'expliquer ça, autre que M. Coriolis, s'il vous plaît, avec des termes qui sont, on va dire, tout public, ok, et pas des formules scientifiques, qui arrive à expliquer cette... ce fait-là, comme quoi l'angle d'incidence n'est pas toujours égal à l'angle d'inflexion, ben, je suis preneur. Après, c'est mathématique aussi, hein, cette histoire d'incidence-réflexion, le sens-effet. Déjà, faut-il... il faudrait déjà être capable de toucher le sens-effet parfait. Oui, mais alors là, évident, ça explique quand même pas un diamant d'écart à Garry. Je suis d'accord. Il faudrait que je sois sacrément mauvais pour mettre autant d'effets et arriver pour décaler un diamant d'arrivée. Oui, mais c'est peut-être ça dont il parle, je ne sais pas, l'effet de glissement. Il y a peut-être la puissance qui doit rentrer en ligne de compte, je suppose. Oui, alors bien entendu, plus on joue fort, plus la bille va s'écraser dans la bande et plus à ce moment-là, l'angle va être fermé. On peut même revenir pratiquement droit en jouant avec un angle. Ça, c'est pas un souci. Mais là, c'est pas le cas. J'ai joué une force tout à fait normale. Mm-hmm. Elle a rebondi sur la bande tout à fait normalement, sans effet. Donc, on pourrait s'attendre à ce que l'angle d'incidence soit égal à l'angle de réflexion. Bon, on constate que c'est pas toujours le cas. C'est pas le cas. Bon, on va continuer avec Jean-Pierre Bedos, justement, qui nous pose une deuxième question. Lorsqu'on fait un point en deux ou trois bandes, l'effet que l'on donne sur sa bille se maintient-il après avoir touché la première bande ? J'ai pas tout noté, mais c'est en gros la question. Oui, il se maintient. Il va se maintenir en fait jusqu'à ce que cette rotation qui tourne autour de l'axe vertical, se perde au fur et à mesure de sa course, tout simplement. Donc il y a quand même encore une notion importante à donner, c'est la distance qu'il va y avoir après la première bande. Parce que si la distance est grande jusqu'à la deuxième bande, on pourrait imaginer que jusqu'à l'arrivée de la deuxième bande, l'effet se perde et que du coup qu'à la deuxième bande, il n'y a plus de rotation. Donc, il y a de grandes chances qu'il perde l'effet sur la 2 ou la 3e bande. Oui, mais ce n'est pas la bande qui va... elle fait perdre un tout petit peu d'effet, c'est clair. Mais c'est la course de la bille. Voilà. Et puis, il y a aussi une notion très importante, c'est le billard. Il y a des billes qui vont garder leur effet jusqu'à la dernière bande. Bien sûr. Alors que d'autres, qui sont un petit peu plus vieux, à la... troisième bande, il n'y a plus rien qui va se passer. À la deuxième bande, déjà parfois même plus rien, juste parce que c'est des tables qui sont avec des bandes un peu plus dures et un peu plus anciennes. Et du coup, ça n'a pas du tout le même rendement que sur une table de qualité ou une table neuve. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si je joue par exemple un point comme ça, je vais jouer ma jaune, blanche, grande bande, rouge. Et donc, ma première bande sera ici sur la grande bande. Et il n'y a que 40 cm à peu près qui vont me séparer de la première bande à la deuxième bande. Donc il est plus probable que mon effet se perde sur une distance seulement de 40 cm. Donc l'effet mort, et du coup, ça développe quand même à cette deuxième bande et j'arrive jusque là. Si maintenant, je mets un autre point comme celui-ci, où je veux faire rouge, grande bande, petite bande, jaune. À ce moment-là, la distance qui sépare la première bande de la deuxième bande est quand même grande. Comme je vais jouer doucement, il est quand même fort probable qu'au moment où ma bille touche la deuxième bande, où j'ai plus d'effet, ou en tout cas, minimalement, je vais en avoir beaucoup moins. Donc, tu es obligé d'en tenir compte, toi, dans ton paramétrage. Oui. Évidemment. Ok. Bon, là, franchement, je ne sais pas trop où je vais devoir aller. Or quand même, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Donc il y a une grande distance, donc forcément c'est ça logique. C'est logique.
Ok, très bien Xavier, merci. Et j'espère que ça a répondu à Jean-Pierre pour ces deux petites questions. On ne sait pas, on verra si bien. Si par hasard les réponses ne vous satisfont pas, ils vont t'écrire, j'imagine. Oui, je suppose, oui, bien sûr. T'as un service de réclamation. Écoute, oui. Oh, bref, oui, on a un service contentieux qui s'occupe de tout ça. Il a une belle griffe, lui aussi, en retour, donc pas de problème là-dessus. Non, mais Jean-Pierre, c'est un habitué. Ah. Je pense qu'il n'y a pas de souci avec Jean-Pierre. J'espère que ça aura en tout cas répondu à ta question. On passe à la question 8 avec Eric Flon qui nous demande pourquoi un joueur de libre cherche systématiquement à se placer l'américaine, qu'il réussit à se la placer au bout de 10 coups minimum et parfois jamais, au lieu d'appliquer le jeu du cadre avec le placement rappel et petite bande. Alors je sais pas trop non plus, est-ce que c'est clair pour toi? Je ne sais pas trop pas ce qu'il entend par placement, rappel et petite bande, j'imagine que c'est une succession de petits points de placement et de rappel avec un appui sur la petite bande. Est-ce que ça vaut le coup de chercher systématiquement l'américaine si on a la possibilité de faire des points dans le tiers? Alors, quelle que soit la discipline que tu joues, cher Eric, peu importe, le meilleur moyen de faire des points, c'est la voie la plus facile. La voie la plus facile, c'est celle où tu vas te tromper le moins, où tu as le moins de chances de faire des erreurs, et c'est celle qui te coûtera le moins d'énergie. Et je vois pas pourquoi on se passerait d'une solution aussi simple que l'américaine, si on en a la possibilité. C'est simple, c'est facile, ça ne nous dépense pas d'énergie. C'est beaucoup plus facile que de jouer des points, des placements, des rappels, comme on pourrait le jouer au cadre. Hein? À ce moment-là, pourquoi jouer la ligne? Oui, bah oui. Bien sûr. Bah parce que la ligne, c'est le moyen le plus simple de faire une succession de points. Ça ne coûte pas cher en énergie. C'est rapide, donc voilà, il faut en profiter, le moyen existe. Tout à fait, dans les contraintes données. Or, à la libre, il n'y a aucune contrainte. Il y a la contrainte du coin, mais ça ne nous empêche pas de jouer l'américaine. Oui. Donc je ne vois pas pourquoi on se passerait de ça. Quant à la prise d'américaine, eh bien moi je considère que la prise d'américaine est l'élément le plus important à la partie libre. Il ne s'agit pas de savoir jouer l'américaine. Pour moi, ça n'a aucun sens d'être capable de savoir la jouer si on n'est pas capable de se la poser. Il faut d'abord apprendre à se poser l'américaine et ensuite perfectionner et être capable de la jouer correctement. Et Eric, j'imagine que c'est un joueur de partie libre s'il pose cette question-là, bien que... Voilà. C'est, ouais, mais disons que la remarque suivante s'adresse donc à tous les joueurs de partie libre. Si vous voulez tester votre niveau de joueur de partie libre, vous mettez cette position-là que j'ai donnée à notre ami des billes en paquet il y a peu, et vous vous dites, voilà, maintenant, je veux me poser l'américaine. Je fais une première tentative. Est-ce qu'elle sera réussie? Est-ce qu'elle sera échouée? Donc, je vais succéder des points, peut-être 10 points, 15 points, 20 points, 30 points. Je ne sais pas. Et est-ce que je vais réussir à me poser l'américaine? Si c'est le cas, eh bien, vous marquez un point. Bravo, c'est réussi. Et vous passez à la tentative suivante. Vous ne jouez pas l'américaine. Dès que vous l'avez posée, vous recommencez la tentative suivante. Vous essayez à nouveau de vous poser l'américaine et vous faites ça une dizaine de fois, une dizaine de séries. Est-ce que vous êtes capable de vous poser sur ces 10 séries 10 fois l'américaine? Ou est-ce que vous êtes capable de vous poser que 1, 2, 3, 5 fois, 6 fois, 7 fois? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif, c'est environ 90%. Donc 90% de vos tentatives doivent aboutir à l'américaine. C'est votre objectif. Et le baromètre de vos progrès à la partie libre, c'est ça. C'est votre pourcentage de capacité à vous poser l'américaine sur une situation, on va dire, simple. Et ça, vous avez votre niveau de joueur de partie 90% libre. Là. Oui. Ok. Le ton est donné. J'ai fait une vidéo qui est totalement gratuite cette fois-ci sur YouTube. Si vous voulez aller sur mon compte YouTube, vous pouvez aussi. J'ai fait 100 tentatives à la partie libre et 100 tentatives au cadre pour des prises de ligne et des prises d'américaine. Voilà. Si ma mémoire est bonne à la partie libre, je suis arrivé à 86 ou 88 et au cadre 82, je crois. Si ma mémoire est bonne. Et ça faisait bien des années
que je n'avais plus joué de partie libre. Donc 80-90%, c'est clairement l'objectif. Si vous faites 100, c'est tant mieux. Mais sur beaucoup d'essais, réussir 100, c'est ouais, compliqué. C'est compliqué, ouais. En plus, tu l'as fait sur 100 essais. Oui, 100. Donc, parce que 90%, c'est pas forcément sur 100 essais. Quoi. Alors, 100 essais, ça demande une belle énergie quand même, hein, je pense. Répéter. Ça va vite, parce que ça va vite. Ça, en général, avant une quinzaine de points, on se les posait. Ouais. Bon, bah, très bien. Merci pour cette réponse, ces éléments de réponse, en espérant que ça suffit ouais, à Eric. Neuvième question et dernière question en ce qui concerne les questions plus ou moins techniques autour du billard. Après, il y aura des questions plutôt personnelles. Eh bien, c'est Gollum 35. J'ai gardé Gollum 35 pour un des fidèles de la chaîne. Gollum. Que j'apprécie beaucoup. Le Gollum. Alors, je ne sais pas. On ne s'est jamais rencontré. En tout cas, il nous demande donc qu'est-ce qui nous permet de décider si un point. Alors, attends. Si on tente un point dur, mais qui permet a priori un rappel. Ou si on fait un point facile, entre guillemets, sans avoir de jeu derrière, en compétition, il précise. En gros, est-ce que ça vaut le coup de prendre un certain risque à un moment donné de la partie? Je suppose, Gollum, j'essaye de traduire à ma façon. Hein. En gros, c'est ça, quoi. S'il y a une position peut-être dangereuse, mais qui, le coup d'après, te permet d'avoir les billes en paquet, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre ce risque? Ça doit dépendre de tellement de choses. Je ne sais pas si la réponse va lui plaire, mais nous, on appelle ça une réponse de Normand. Ouais. Ça dépend. Évidemment que ça dépend. Voilà. Il y a, pour choisir sa solution, toute une série de facteurs de choix, des critères de choix, comme par exemple le facteur risque, le facteur difficulté, le facteur marge d'erreur, le facteur solution de secours. Et il y a un super facteur qui s'appelle le ressenti. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et tous ces facteurs-là, si on les écoute et qu'on les analyse bien, nous permettent d'avoir une conception qui est saine. Donc on va choisir une solution qui est saine. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Déjà, je tire directement un trait sur l'idée de donner la bonne solution. La bonne solution, elle n'existe pas. Okay, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de solution qui est juste. Toutes les solutions sont des hypothèses que vous choisirez en fonction du moment, de l'instant, du matériel, des billes, de l'enjeu, de plein de choses, de votre sensation au moment de jouer. Et toutes ces choses-là font que vous allez analyser la situation le moment venu. Mais on peut imaginer un rappel que aujourd'hui je vais jouer parce que je suis chez moi, à la maison, enfin sur mon billard de compétition, mais que je connais, avec lequel j'aurai une bonne sensation, et je vais dire, ben voilà, cette fois-ci, je vais le jouer. Et la semaine suivante, je joue sur du matériel pourri dans un autre club, je vais dire, non, là, je ne vais pas le jouer. Pourtant, c'est la même position. Donc, on ne peut pas vraiment dire si oui ou non, ça vaut la peine. Il faut faire une pesée des intérêts, et une pesée des pour et des contre, des risques qu'on prend, des risques qu'on ne veut pas prendre. Et puis après, on fait un choix. Et voilà. Être à l'écoute de son ressenti, quoi. Oui, alors le ressenti, ça c'est très très important. Ah oui. Ce que j'ai expliqué, c'était une excuse de matériel, mais même s'il n'y a pas de matériel, il faut écouter son ressenti. Je vais vous donner un exemple très très simple. On est à la partie libre, on a une situation comme ceci, voilà, qui est donc un rétro en largeur d'une taille tout à fait acceptable. Ce d'autant plus que la jaune va pouvoir revenir dans le coin et être amortie par les billes qui se trouveront dans le coin. Donc on pourrait convenir avec beaucoup de gens que cette situation, on pourrait déduire qu'il faut jouer le rappel de large et le rétro. Voilà. Je ne vois pas comment on pourrait faire d'autre. C'est un trop beau rappel, un trop beau résultat. Ce n'est pas difficile, donc il faut partir du principe qu'il faut jouer le rappel de large. Sauf que moi, j'ai pour habitude de dire, il n'y a rien qu'on doit faire au billard. Personne ne peut te dire, il faut que tu fasses ça. Tu dois jouer ça. C'est faux. Parce que maintenant, on imagine la même situation. Imagine que ton adversaire vient de te taper 299 points, qui t'a laissé sur la chaise pendant une heure et demie, parce que c'est un joueur un peu long, comme moi. Et
Donc tu te lèves de là, ça fait une heure et demie que tu n'as pas joué, tu n'as aucune sensation, tu n'as aucun ressenti, tu es dans le noir complet. En plus, tu es au pied du mur, si tu rates, la partie est finie. On a une condition très particulière. Et à ça, on va encore rajouter une autre condition. Imagine que les trois reprises précédentes, tu as raté des rétros en faisant fausse queue. Ouais, tu accumules le truc, mais... Est-ce que réellement, en venant sur la table, tu vas faire le rétro? Alors moi, je te le dis déjà, je ne le fais pas. Je vais jouer rouge, petite bande, jaune. Je vais patienter pendant quelques points, reprendre un peu de confiance. Et ensuite, je serai d'attaque pour faire ce type de rétro. Donc tu vois, une solution avec laquelle on s'accordait tous de dire « c'est ça que tu dois jouer », en réalité, dans certaines circonstances, ben, c'est pas c'est ça plus que ça, tu... C'est plus ça, oui. Ouais, ouais. Donc, c'est clair et net, il n'y a rien qu'on doit ou qu'il faut faire. Le ressenti peut tout annuler, même face à des situations aussi évidentes que ça. Excellent. Bon, ben alors là, Gollum, je pense que tu as amplement... Hein, c'est une belle réponse. Hein. Je sais pas. Moi, je pense que nous oui. Nous dirons. Oui. Allez, on passe donc aux questions apparemment plus privées, ah. Entre guillemets. D'accord. Les gens veulent savoir. Rien de sexuel, j'espère. Je crois pas. Écoute, donc on revient avec monsieur Jeune Chakris. Ah merde, vas-y. Hein. J'allais dire, mais finalement, notre relation va être remise au grand jour. Mais non, oui. C'est pour rire. On n'est pas ensemble. Bon, bref. Est-ce que... Écoute, est-ce que vraiment... non, tu quoi, alors. Est-ce que vraiment ce que te laisse ton adversaire durant la partie influe sur ton résultat personnel? Ah bah oui. Ouais. Ah bah, ouais. Il y a bien peu de joueurs qui sont capables de faire tous les points. Pour rien de vous cacher, je n'en connais qu'un seul. C'est un vrai cauchemar à jouer, d'ailleurs, parce que quoi qu'on lui laisse, c'est vrai, le gars, il s'en sort de toute toujours. Façon, il va de toute façon faire des points. C'est pas Raymond Schwerz, quand même. Non, il s'appelle Frédéric, tout le monde le connaît. Et c'est un cauchemar à jouer, ah, parce que même si on lui laisse les billes partout, bah, il s'en fout, il va faire de toute façon une série. Donc, mais il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Moi, tu me laisses les billes éparpillées, je peux te garantir que je galère. Ouais. Et ouais, clairement, je vais faire... J'ai moins de chances de faire des séries et de bons résultats si on me laisse les billes sur toute la table que si on me laisse les billes ensemble. Après, je ne suis pas non plus un manche, je sais grouper les billes, je sais faire des points. Mais voilà, il vaut mieux me laisser les billes écartées dans chaque coin que des billes comme ça. Parce que là, il y a peu de chances pour que tu te relèves. Oui, ça, je veux bien te croire, bien sûr. Sans être champion de l'univers, quand même, quintuple champion de... titre. Ah, ça se mérite. Ça se mérite. Oh, tu sais que dans les billets en paquet, ouais, voilà. Hein? Oh bah oui, quand même. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. On avait un petit doute sur la réponse, enfin on n'avait pas trop de doute sur la réponse quand même, évidemment que c'est important, enfin que ça influe, quoi. C'est normal. Arnaud, donc maintenant, alors il nous a pendu un sacré truc, Pécarty. Alors, ouais, les points d'interrogation après points d'interrogation. Oui. C'est quoi déjà le... Arnaud. Ah oui, Arnaud nous explique que pour jouer au billard, il faut passer beaucoup de temps et donc le temps, c'est de l'argent. Et donc que du coup, on doit gagner notre vie avec le billard. Exactement. Sans quoi, on ne peut pas devenir professionnel. Ou devenir un champion. Non, une carrière de champion. Excuse-moi, ouais. J'ai fait une petite faute. Ouais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai jamais été professionnel. Je ne le suis toujours pas. Je suis un travailleur comme tout le monde. J'ai travaillé toute ma vie à 100%. À côté du billard, je crois d'ailleurs que c'est pas un secret, mon métier est dans le domaine de la sécurité, mm-hmm. Parce qu'il y a quand même quelques photos qui se baladent. Ouais. Et donc en fait, voilà, je travaillais en irrégulier, je travaillais en 24, en 3x8, 24 heures sur 24. J'ai fait ça pendant 22 ans et donc le billard n'est pas mon métier, ça a toujours été que ma passion. Donc quand j'allais en championnat, je prenais des vacances comme tout le monde et j'allais faire mon championnat, c'est tout. Pas davantage plus que ça. Et donc, on n'est pas obligé de gagner sa vie avec le billard pour être un champion. En tout cas, pas un champion de mon acabit. Mm-hmm. Après, si on veut être un grand champion de trois bandes, par exemple, ouais. Là, oui, il va falloir commencer à devenir professionnel. Mais être un champion de jeu de série, eh ben, je ne peux pas te dire qu'il faut être, gagner sa vie du billard pour devenir champion de billard, parce que je suis l'exemple contraire. Donc, je peux pas faire ça. Mmh. On peut très bien, avec un entraînement d'une dizaine d'heures, devenir un très fort joueur. Une dizaine d'heures par semaine, 10-15 heures par semaine, on peut très bien devenir
un très fort joueur. C'est pas là que va se faire la différence. L'Asie peut-elle être une planche de salut pour ce point de vue? Alors évidemment qu'en Asie, ils ont une autre façon de concevoir le professionnalisme du billard, mais ils jouent aussi aux trois bandes. Ouais. Ça change quand même rien que même en Asie, il n'y a pas de professionnel de jeu de série. Donc je ne sais pas si par champion tu entendais champion de billard trois bandes ou champion de billard de jeu de série. Champion de billard trois bandes, j'ai envie de te dire que oui, ça me paraît totalement indispensable. Mais en même temps, je ne suis pas champion de joueur de billard trois bandes, donc cette question-là, il faudrait la poser à un vrai champion de billard trois bandes. Mais champion de jeu de série, je ne peux pas dire oui, parce que j'en suis l'exemple contraire. Mais il est vrai, pour apporter un élément de réponse, je sais que de jeunes joueurs ont tendance, pour ceux qui veulent, qu'ils souhaitent faire et qui se projettent dans une carrière, de se mettre tout de suite aux trois bandes. Quoi. Ah bah, ils n'ont pas d'avenir au jeu de série. Et oui, c'est ça. Ils ont tout c'est de suite intérêt. C'est aussi triste que ça, mais alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai à l'avenir? Je ne le sais pas. Peut-être que l'avenir nous dira le contraire. Il y aura peut-être une évolution positive des jeux de série. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, celui qui veut faire une carrière de billard, une carrière professionnelle et gagner sa vie du billard, il ne faut pas qu'il joue au jeu de série, c'est clair. C'est vrai que médiatiquement, c'est peut-être le plus vendeur, entre guillemets, quoi. Mais bon. S'il y a de l'argent, c'est pas au jeu de série. Mais bon, ouais, non, c'est ça, c'est peut-être pour ça. Ou alors j'ai raté le train. Allez, la dernière question de cette soirée, hein, si je ne me trompe pas, Xavier. Donc c'est Antoine Bruneval qui la pose au sujet de ton entraînement. Je connais ça, Antoine Bruneval. C'est vrai? Ouais. Ouais, ouais. Ça me dit quelque chose, ce nom. C'est un bon joueur? Non, je ne le connais pas par ce biais-là. Ah, plutôt par les réseaux. Ah, d'accord. Ah, ok. Ce nom me dit quelque d'accord, chose. D'accord. Très actif dans les réseaux sociaux, peut-être Sur le mien, sûr. Ok, très bien. Mais ce nom bon, me bah, dit un fan. Chose. Peut-être que. Ouais, hein, je sais pas. Peut-être un fan, il a dû. Du coup, il pressentir. A peut-être pressenti. Ouais, il a peut-être pressenti quelque chose. Donc, il te pose la question ton entraînement. Voilà, combien d'heures? Quel planning? Les préparations au-delà du billard? Est-ce que c'est toujours le même planning? Est-ce que tu varies en fonction de certaines difficultés que tu rencontres au cours, j'imagine, de tes entraînements? Déjà aller avec ça. Ouais, on déjà va répondre y aller avec à la suite ça. Après. Ouais. Mon entraînement, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne suis pas un joueur talentueux et donc je n'ai rien d'autre pour moi que le travail. Donc je suis malheureusement un joueur qui a besoin de beaucoup jouer. Alors, avant une compétition, pour préparer une compétition, je fais entre, si c'est une compétition très importante, je fais entre 20 et 25 heures par semaine. Ouais, voilà. Là où d'autres vont peut-être faire même pas une dizaine d'heures par semaine. Mais moi, ça ne me convient pas. Pour pouvoir performer, j'ai besoin de beaucoup m'entraîner avant. Donc oui, je m'entraîne quand même beaucoup, je fais environ 1000 heures par année, ou je devrais dire je faisais, mais on va dire je fais environ 1000 heures par année. Mm-hmm. Par rapport au planning, eh ben, il évolue en fonction du niveau et des périodes que j'ai rencontrées dans ma vie et les niveaux que j'ai traversés. Et puis, il s'adapte aussi en fonction de la compétition que je vais jouer. Si je joue la bande ou du 47-2, eh bien, je ne vais pas tout à fait travailler de la même manière. Voilà. Et pour bluffer peut-être notre ami Antoine, je ne travaille jamais le jeu que je vais jouer en compétition. Oui, je sais, ça fait mal à entendre. Si je joue une compétition de 47-2, je ne travaillerai pas le 47-2. Ah, ça c'est... Ah oui. Voilà. Je vais jouer du 47-1, du 71-2, de la bande, mais surtout pas de 47-2. Le succès pour moi... Oui, bien sûr. Je me bats contre les automatismes. Pour moi, tout automatisme est source d'erreur. Okay. Parce qu'en fait, ça va m'amener à jouer... un rythme trop élevé parce que trop d'automatisme. Et ces erreurs d'automatisme, enfin ces automatismes, vont me bousculer et vont me créer de l'erreur. Et du coup, je vais aller m'asseoir parce que j'ai simplement pas pris le temps de décider si je devais mettre de l'effet ou pas. C'est quand même con. Donc, résultat des courses, je casse tout automatisme et je ne joue surtout pas le jeu auquel je vais jouer en compétition. Sauf la bande. Si je joue une compétition de bande, je vais jouer une partie, consacrer une partie de mon entraînement à la bande. Pas que, mais une partie de mon entraînement à la bande. Voilà. Varies-tu en fonction de certaines difficultés? Ben, je crois que j'ai dû répondre à peu près à sa question. Et enfin, il reste... Te sens-tu encore progresser, évoluer ou décliner peut-être? D'où vient ta passion pour le billard? Alors, je vais répondre à la dernière question. D'où vient ma passion pour le billard? C'est le fruit du hasard. J'ai commencé le billard par le passe pour vacances. C'est des activités que les villes organisent pour les étudiants pendant leurs vacances scolaires. Et on peut faire plein d'activités. J'ai fait tir à l'arc, aviron, voilà. Et je me suis inscrit au billard parce que je pensais trouver du billard américain.
Je suis arrivé, j'ai trouvé nul, il n'y a pas de trou, il n'y a que trois boules. J'ai quand même fait l'activité. Ouais. Et du coup, ça m'a quand même plu. Je suis revenu l'année suivante et après, je me suis inscrit au club. Et j'ai eu un gars, un président très intelligent. Pourtant, il n'y avait pas de jeunes dans son club. Hein, donc, j'étais le seul gars intéressé depuis des décennies qu'il a vu. Et pourtant, il a eu cette intelligence de me dire, écoute, si tu t'inscris au billard, c'est bien. Mais il faut venir t'entraîner au moins deux fois par semaine. Sinon, tu t'inscris pas. Ah, d'accord. J'ai réfléchi, j'ai dit d'accord, je viendrai deux fois par semaine. Okay. Voilà. Donc, je suis venu deux fois par semaine, et puis après trois, puis après quatre, puis après cinq. Et oui, après c'est piqué, plutôt dix fois par semaine, et puis voilà, c'est comme ça. Et puis, l'avant-dernière question, te sens-tu encore progresser, évoluer ou décliner? Alors, on a un petit peu changé de vie, enfin, j'ai un petit peu changé de vie. Mon billard se trouve chez mon ami Willy. Ouais. Hein, donc, je n'ai plus du tout les mêmes conditions pour pratiquer le billard. Je ne suis donc plus du tout orienté sur le monde de la compétition. Aujourd'hui, je vais là où le vent me mène et je vais rencontrer des gens comme toi qui partagent aussi leur passion. Je vais rencontrer encore d'autres personnes. Je vais là où les gens ont envie de me rencontrer, de travailler avec moi. Ou moi d'ailleurs, je pousse la porte des clubs totalement anonymes pour faire des parties de billard avec des gens que je ne connaissais pas avant. Et donc, je voyage avec comme thème le billard et les rencontres qu'on va pouvoir faire à travers ce thème-là. Et donc, je ne m'entraîne plus 20 heures par semaine comme je faisais avant. Mes objectifs ne sont plus les mêmes. Mais si je me réfère avant que ce projet ne démarre, qui était donc au 1er janvier 2021, eh bien oui, je progressais toujours, je me sentais toujours progresser, je me sentais toujours motivé par la compétition, l'envie de gagner, l'envie de faire toujours plus, l'envie de gagner des titres, et bien sûr, je progressais et j'ai travaillé des jeux sur la fin qui n'existent pas, des jeux que j'ai inventés pour augmenter les difficultés parce qu'il n'y avait aucune discipline qui m'apportait suffisamment de difficultés à part le 3 bandes, j'y joue pas. Donc aucune discipline de série qui m'apportait assez de difficultés pour créer un boost, pour me bousculer finalement et être créateur de progrès. Donc ces jeux-là, ils sont sortis de ma tête, je les ai inventés. L'occasion de dire d'ailleurs que ces jeux-là sont expliqués dans mon site. Vidéo, 32, 33, 34 et 35 de la partie livre. Ok. C'est deux disciplines. Partie livre, ouais. J'ai fait, je crois, deux vidéos par discipline. J'ai deux disciplines qui n'existent pas officiellement et qui sont juste terriblement difficile. Ah oui. Et donc, du coup, ça mobilise des moyens, des soins, des difficultés. Il faut résoudre des difficultés qu'on ne rencontre pas dans les jeux traditionnels. Et donc, ça me bouscule et ça me permet encore de progresser. D'accord. Et de performer toujours plus. C'est pas notamment le rétro que tu éloignes au fur et à mesure? Non, ça, c'est des exercices. Ça, ce sont des exercices. Voilà. Parce que c'est des disciplines. Ah, okay. Je n'ai pas de secret, hein. Les disciplines, elles sont connues. C'est du cadre 71, ouais. Mais 1. C'est un jeu qui n'est pas tellement... novateur parce qu'il existe dans d'autres pays, notamment comme discipline d'entraînement. La Hollande, par exemple, la Belgique le pratique comme discipline d'entraînement. Et puis sinon, j'avais beaucoup de difficultés, Je voulais progresser dans le jeu de demi-distance. Et même au 71-1, en fait, dès qu'on est sur la ligne, ou dans l'ancre, malgré tout, on va produire une série de 100. Sans bouger de la zone favorable du grand cadre, même au cadre 71-1. Donc ce n'était pas assez compliqué pour travailler et progresser dans la demi-distance et la distance. Donc j'ai inventé en fait un jeu qui en fait, vous prenez les lignes du cadre 71-2, sauf que cette partie de ligne, vous l'enlevez. Okay. Ça signifie qu'il y a une ligne ici, une ligne ici, et une ligne qui rejoint ces deux-là. C'est tout. Ça signifie en fait que l'essentiel du jeu va se produire à peu près dans cette zone-là et dans la zone du milieu de billard. On ne fait que ça. Et produire une série de 100 dans ces conditions-là, ça m'est arrivé quelques fois, mais alors là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Tu peux plus... Non. Ah ouais. Non. Difficile, ouais. Très, très dur. Et ça, c'est une discipline qui a créé de la difficulté. Et ça a été très très bon pour moi.
ça m'a fait progresser. Et donc, probablement que si aujourd'hui je continuais l'entraînement que je faisais avant le 1er janvier, eh bien, je continuerais à travailler cette discipline-là, probablement encore la bande, le 71-1, ce genre de discipline-là pour continuer à progresser. Bon. Voilà. Bah, très bien, on est arrivé au bout de cette espèce de FAQ un petit peu improvisée. FAQ, ouais, foire aux questions. Donc c'est parfait. En tout cas, Xavier, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi. À tout ça. Et puis, ça a été un plaisir de partager ce moment. J'espère que ça a été le cas également pour vous. Et puis, que te souhaiter, Xavier. Bon vent, puisque je vais là où je vais. Exactement, j'ai envie de te dire bonne route. Voilà, je sais que tu vas beaucoup bouger ces prochains mois et certainement prochaines années. On verra, on se projette, on ne sait déjà pas où je vais aller demain. Oui, donc, c'est vrai. En tout cas, on aura certainement l'occasion, nous, personnellement, de se rencontrer de nouveau. Voilà. Et j'irai trouver aussi d'autres personnes qui, comme toi, ont la passion de partager leur billard. Tout à fait. Donc, c'est l'objet de nouveaux partages et de nouvelles rencontres. Et c'est magnifique, donc ça s'est vraiment improvisé comme ça, pour vous, pour nous. Oui. Pour la petite histoire, ça s'est décidé en moins d'une semaine. Ouais, en moins d'une semaine, ouais. C'était affolant, en tout cas. C'est vrai, c'était assez exceptionnel, Xavier. Donc, donc merci en tout cas. Bah écoute, merci. Et puis, bonne continuation. Merci. À bientôt. Et là, je t'invite à entrer dans le cadre et puis on entame l'introduction comme ça, je pense. Okay. Ça devrait le faire. Ok. Donc là, je me situe à ta droite. Voilà. Et on démarre comme ça. Okay, donc là, on s'est déjà présenté, c'est fait. Ok, d'accord, voilà. C'est fait. Donc on oublie la caméra et puis. J'ai pas de problème avec ça. Je me doute.